Et bien le bonjour les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo, et je suis super content car c'est un jour que j'attendais depuis pas mal de temps, ça va faire 2 mois que j'attends ce moment, donc je suis trop content, et je voulais partager ce moment avec vous car aujourd'hui, je reçois une nouvelle voiture. J'ai mis le meilleur pull du monde pour aller chercher cette voiture, forcément hein, mon bon pull retour vers le futur. Et on y va, il y a Aurélien qui est parti au Havre ce matin pour aller chercher la voiture. Et là il vient de m'envoyer un message, il arrive dans 10 minutes, donc du coup on va aller voir ça. C'est marrant parce qu'on est sur la route pour aller au local et qu'est-ce que je vois devant? Mais ne serait-ce pas ma remorque de transport juste ici? Dedans se cache un trésor. C'est monsieur transporteur. À fond, avec de la musique. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeune homme, forcément c'est monsieur Aurélien qui travaille avec moi sur le tofu props qui travaille avec moi sur les voitures de cinéma, notamment sur la Ford Anglia d'Harry Potter, mais aussi sur la DeLorean. Mais monsieur aime bien conduire, c'est un peu mon métier. Et donc du coup tu m'as dit vas-y viens, je vais chercher ta bagnole quoi. Ouais. Oh, le spoil. Les portes ensemble. Oh, elle est trop belle! Attends, ouvre l'autre côté. Non, tu ouvres ce côté-là, moi je vais ce côté-là. Ah, mais attends, j'ouvre le panneau latéral. Ah putain! Waouh, waouh, waouh! C'est de la caisse ça, hein? Ouais! Putain! Et puis l'intérieur! Oh la vache! Ah ouais! Ah ouais! Oh, c'est quelque chose! Oh ouais! Allez, on la descend. On monte à bord, toi. Peut-être falloir lui donner un petit peu de vent. Il va falloir la pousser un peu. Oh putain! Quand je t'ai dit qu'elle est lourde, attends. Attends, tu peux la décrocher. Hein? Tu peux la décrocher direct. Ouais, tu peux. Ah mais je la connais pas la bagnole donc. On va la mettre au truc, t'inquiète. Ah ouais, en fait les trous ils servent à rien. À rien. Ouais, ils sont pas droits de la tête. Je sais.
dégage le plan. Vas-y. Waouh, 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 non mais, c'est magnifique. Autant tu vois, le 4x4 de Marty, je l'imaginais plus gros que ça, que celle-là, je la voyais plus petite. Waouh. C'est qui donne cet effet de massif. Waouh. Eh, le moteur est propre, hein. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est le... Oh, manuel de service. Hein? Attends, t'as pas vu ce qu'il y avait dans la boîte à gants? Manuel de service de 1946. Le manuel de service. Le manuel d'opération. Je pense pas qu'il soit du temps, lui. Je suis pas sûr. À mon avis, c'est peut-être une réédition. Ouais, je pense. Ouais, mais celui-là, par contre... Celui-là, il a l'air d'être dans son jus. Super. Et un couvre-bâche. Ça, c'est pour le... Ça sent vieux, j'aime bien. Oh. Attends, mais c'est une bâche pour la voiture, ça? Ouais. Oh, trop bien. J'en ai pas acheté. Et bah, t'en as une. J'aime bien ça. Are you a turtle? Appelez Christophe Willem. Non, mais pourquoi? Ouais. Vas-y, grande dedans. Première fois que je m'assois, bon. Oh la vache. Alors, a priori, je pense que le volant est réglable. Regardez. Il y a de la batterie, hein. Il y a de la batterie, mais il faut qu'on voit comment on la démarre. Zéro stick. Ça, c'est capot. En fait, juste à côté, à gauche, c'est le starter. Ouais, et à droite. À droite, tout à gauche, t'as un bouton start. C'est pour la démarrer. Non, de l'autre côté. À gauche, gauche. Ouais, là. Là. Tiens. Alors, tu feras gaffe au Neymag. Ben, je pense que c'est le Neyman. Vas-y, tourne. Non, tourne la clé. T'as vu le bitonio qui sort? Ouais. Tourne encore. Et après, tu mets sur on. C'est bon, là, il est sur on. Ouais. Et après, normalement, t'appuies sur start. Donc, tu mets le pied sur l'embrayage. Ouais, c'est comme. Et toi, il y avait rien, toi non plus? Ça, non, ça a rien fait. J'ai mis le booster, mais ça a pas. Peut-être qu'elle a plus de batterie. Bon, regarde ça. Ça, c'est quoi ça? Putain, va falloir regarder. Eh, heureusement qu'on a le manuel d'opération, j'ai envie de te dire. Et où la boîte à gauche? Appuie. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est tout ça? Un manuel sur la transmission de l'automobile, quoi. Mais le mec, il a des trucs de ouf dedans. Automatic transmission. Après, ah, il y a des stylos, ça c'est vintage. Il y a une clé. Alors, heureux? Ah bah attends, gros, ça fait longtemps. Ah oui, je l'ai pas dit. Mais pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est la voiture de Biff. Il y a peut-être des gens qui ont toujours pas compris ça. Bon, bah on essaie de faire démarrer le bousin. Pour l'instant, on n'arrive pas trop, mais on a trouvé deux coupes-circuits sur la voiture. On va voir si ça démarre, mais ça démarre pas, c'est pas grave. On prendra le temps de le faire plus tard, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Bon, et bien malheureusement, ça sera pas un démarrage pour tout de suite. On va démonter la batterie, on va essayer de bien la recharger, voir si elle est pas morte. Et puis, au pire des cas, on fera venir un super mécanicien. J'ai l'impression que c'est soit le démarreur, soit la bobine d'allumage. Mais bon, après, je suis pas mécanicien. Mais vraiment, elle est de toute beauté. Bon, elle est un peu crache-pouille là de transport. Hein. Faut quand même se dire qu'elle est partie du Kentucky pour arriver ici. Mais elle vient très bien compléter la collection avec la DeLorean, le 4x4, la DS.
Mais bon, ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à faire des petits likes, des petits machins sur Instagram. Merci à Aurélien. Hashtag TofuProps. Fais-moi un coucou derrière, Aurél. Voilà. N'hésitez pas à nous faire un petit abonnement sur Insta, ça fera plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!